sommes donc mercredi 20 février 2019. Il est 16h40 ou 5h45. Je rentre chez moi. Alors, les nouvelles du front. En fait, je vous ai dit qu'Alexis allait mieux. Et même dans certains commentaires, j'ai répondu que ça allait mieux. Et effectivement, ça allait mieux. Mais et il a de nouveau parfois, il avait de nouveau parfois des maux de ventre, puis ça partait, ça revenait, enfin bref. Et du coup, hier soir, j'ai dit, bon allez, on va chez le médecin, on va voir. Il ne se sentait pas bien, fatigué, tout ça, bref. Et alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Enfin, il y a plusieurs choses, c'est la fatigue, voilà, c'est. Voilà, il est fatigué, nanana, bref. Mais elle m'a dit, alors c'est ce qu'un médecin m'avait dit il y a quelques années déjà de ça, parce que ça fait longtemps que ça dure. C'était certainement un problème de transit. Alors, il va normalement, mais c'est quand même pas suffisant a priori. Et donc, il faut l'aider un peu. Mais alors, elle lui a donné un traitement de 6 mois à prendre tous les soirs avec parfois des interruptions. Mais c'est un traitement qui n'a pas d'effet secondaire, qui ne va pas le faire aller trop. Enfin bref, ça va plutôt réguler tout ça de manière à ce qu'il se... Bah, qui se vide, que ça évacue correctement le trop-plein, on va dire, mais sans que voilà, ça provoque des selles liquides, bref. Donc normalement, ça devrait... Alors par contre, ça va pas... Ça, c'est sur du long terme, donc il faut le temps que ça fasse effet et tout. Donc voilà, on va essayer ça, hein, et puis... c'est ce qu'a... Nous avions dit un autre médecin, une fois, il était en vacances chez mes parents. Enfin, avec mes parents au bord de la mer, ils allaient chez le médecin qui lui a donné un... Alors là, c'était un traitement plus court et ça avait eu l'air de faire de l'effet. C'était pas du tout le même traitement, enfin, c'était pas du tout le même médicament. Je dis pas le nom parce que je crois qu'on n'a pas le droit de dire le nom de médicament. C'est ce que je lis, enfin, ce que je vois. Je sais pas quand on regarde la vidéo, mais je suis même pas sûre. Enfin, je crois. Bref, peu importe. Donc voilà. Donc j'espère que ça va aller, enfin, que ça va faire son effet. Et puis bon, de toute façon là il est en vacances, mais enfin vendredi soir. Donc voilà. Voilà. Pouh, je suis vraiment crevée de mes journées de boulot. Et quand on rentre le soir, j'ai envie de me poser et je peux pas. Donc voilà. Enfin, c'est le lot de tout le monde, hein, de toutes les mères qui bossent. Et moi encore, j'en ai qu'un. Mais, j'imagine même pas si j'en avais deux. Alors là, ça serait la catastrophe. Ça serait pareil, je pense. Enfin, ça serait pareil. Mais voilà, c'est que quand on rentre, on a une autre journée qui nous attend. Il fait toujours froid le matin, je gratte, et chaud l'après-midi. Enfin, bon l'après-midi. C'est plutôt très plaisant. Je sais pas si c'est bien normal qu'il fasse aussi chaud au mois de février, mais bon. C'est peut-être un peu détraqué, je sais pas trop. Mais voilà. En tous les cas, ça permet de profiter et d'un peu de. Voilà. Bref, je vous le dis à chaque fois. Voilà. Donc je rentre et puis je verrai si je vous reprends à la maison ou pas, mais. Surtout que je vous ai fait tout un speech sur la valise que j'avais anticipé. Donc j'ai bien toujours préparé. Donc j'ai bien préparé les fringues, je les ai mis sur le lit, mais j'ai encore rien mis dans la valise. En plus j'ai une panière de linge habillée, donc il y a des choses qui vont aller dans la valise. Donc je pense que je vais faire ça ce soir une fois que j'aurai fait ce que j'ai à faire avant. Bref. Voilà. Voilà. Papa. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais dans la valise. Non, c'est pas drôle.
T'es toujours avec ton gilet vert? Je suis toujours avec mon beau gilet vert. Voilà, la valise est prête. Il reste pratiquement plus rien à mettre dedans. Après, il aura un petit sac à dos avec ses petites affaires qu'il emmènera dans la voiture. Mais voilà, on est mercredi quand même, mine de rien. Bonne chose de faite. Quelle heure est-il? 18h15. Le petit est lavé. Et il est à Donf. Tu peux allumer ta lumière là si tu veux. Non? C'est pas bien. Bah si tu peux. Voilà, la barquette. La barquette. La panière de linge est vide. Et voilà. Ce sera tout pour ce soir, donc ce sera pas grand chose, mais bon. Donc normalement, les enfants de David ne viennent pas ce week-end, donc on va sûrement se faire un petit... Donc, on a été interrompu. Oui, donc ce week-end avec David, on va sûrement se faire un resto et le midi et se promener... J'allume là, on voit rien. Et se promener l'après-midi parce qu'il prévoit un super temps. Donc voilà, donc ça serait con de pas en profiter, je trouve. Donc voilà, ça sera notre truc de la Saint-Valentin. Et c'est ma fête vendredi, donc voilà. Du pierre plein de coups. Le ciel est rose, mais je sais pas si ça va se voir. Je suis chiante avec mon ciel là. On voit pas bien. On voit pas bien parce qu'il fait trop jour. C'est génial, n'empêche, il est 6h15. Presque 20 et il fait jour, jour, quoi. Donc voilà. Bon, ce sera un tout petit vlog. Mais je pense que je vais clôturer là. Hop. Et je reprendrai demain ou je sais pas quand. Voilà, gros bisous.